Bonjour tout le monde. Chapitre numéro 5, leçon numéro 1. À vous de réviser les syllabes en A, les syllabes en I, les syllabes en O. Normalement, ces trois chapitres-là, c'est acquis. Et maintenant, répétez derrière moi. Bu, cu, du, fu, gu, ju, cu, lu, mu, nu, pu, ru, su, tu, vu, zu. Maintenant, j'ajoute le R. C'est à vous d'ajouter le R avec les syllabes en A, les syllabes en I, les syllabes en O. Et maintenant, répétez après moi. Bur, cure, dur, fur, gur, jure, cure, lure, mur, nur, pur, rure, sur, tur, vur, zur. Maintenant, on ajoute le L. À vous d'ajouter le L avec les syllabes en A, les syllabes en I, les syllabes en O. Et maintenant, répétez derrière moi. Bulle, cul, dulle, fulle, gulle, jule, cul, lule, mule, nulle, pulle, rule, sul, tulle, vulle, zule. Je vois et j'entends le son E. Cheval, cerise, melon, renard. Je répète une deuxième fois. Je vois et j'entends le E. Cheval, cerise, melon, renard. Donc dans le mot cheval, j'entends une seule fois le E. Dans le mot cerise, je le vois deux fois, mais je l'entends seulement une seule fois. Dans le mot melon, je le vois et je l'entends une seule fois. Dans le mot renard, je le vois et je l'entends une seule fois. Partie écriture. E majuscule script, E minuscule script et E minuscule cursive. Normalement, on a vu et on a compris comment on écrit le E. Partie exercice. Prononce à voix haute les noms des images ci-dessous. Écris un O, c'est-à-dire oui, si tu entends le son E, et un N, c'est-à-dire non, si tu n'entends pas le E. Essayez de faire l'exercice et après corrigez avec moi. Correction. Cerise. J'entends. Donc j'écris un oui. O. Banane. J'entends pas. J'écris un N. Bureau. J'entends pas. J'écris un N. Melon. J'entends. Donc j'écris un oui. Abricot. J'entends pas. Donc j'écris un N. Prune. Donc j'entends pas. J'écris un N. Biberon. J'entends. Donc j'écris un O. Oui. Jetons. Jetons. Donc j'entends. Donc j'écris un oui. Souris. J'entends pas. Donc j'écris un N. Oiseau. J'entends pas. Donc j'écris un N. Allez-y, prenez vos crayons et vos cahiers et écrivez les mots que je vous dicte. Premier mot, l'eau. L'eau. Deuxième mot, EDF, GDF. EDF, GDF. Troisième mot, lutari, lutari. Quatrième mot, écrivez le E minuscule, cursive. Cinquième mot, surimi. Surimi. Si vous avez terminé, corrigez avec moi. Donc, le mot l'eau. Ça, c'est l'eau. Deuxième mot, EDF, GDF. Ça, si je l'écris, les...
en majuscule les lettres E, D, F. Un petit tiret au milieu, GDF. Troisième mot, E minuscule script. Comme ça. Quatrième mot, Lutari. Lutari. Cinquième mot, Surimi. Surimi. J'espère que tout le monde a réussi de faire le dicté. Partie vocabulaire. Aujourd'hui, on va voir le petit déjeuner. Café. Le lait. Le thé. Sucre. Tasse de chocolat. Jus d'orange. On va faire quelques phrases avec ces mots. Lucie ne boit pas de café. Elle prend un grand verre de lait. La maman de Lucie boit son thé avec du lait et du sucre. Le petit frère de Lucie boit une tasse de chocolat. Son père boit un café. Donc on a dit, Lucie, c'est une fille. Elle ne boit pas le café. Mais elle prend un grand verre de lait. La maman de Lucie boit du thé. Du thé avec du sucre et du lait. Le petit frère de Lucie boit une tasse de chocolat. Le père de Lucie boit un café. Il prend un café. Et moi, je prends un verre de jus d'orange. Allez, maintenant, je vous dis au revoir. À la prochaine.